Allez, salut les mecs, salut les polos et les ringards qui jouent toujours. Voilà, tu la vois sur le côté, qui joue toujours à la NES, dans le futur où nous sommes, et plus particulièrement à des jeux Konami sur NES. En général, Konami et NES, ça va bien ensemble. C'est gage de qualité. Aujourd'hui, tu l'auras vu dans le titre, on va jouer à Contra Force, Contra, Probotector. Alors on connaît, hein? Le Probotector, voilà, je vous le montre. Alors ici, c'est la version PAL. J'ai une boîte refaite, donc c'est le contrat normal. Ensuite, on a eu le Probotector 2, toujours la version PAL. Alors ça, c'est le jeu complet original qui s'appelle aux États-Unis Super C. Et ils ont eu un troisième épisode, alors du moins aux États-Unis et très certainement au Japon, qui s'appelle donc Contra Force, qui n'est jamais arrivé chez nous en Europe. A priori. Chose étonnante, ben le jeu serait pas ouf. Ce qui peut-être expliquerait ben le fait qu'on ne l'ait jamais eu chez nous en Europe. Alors apparemment, ce serait un spin-off. Voilà, ça serait pas véritablement un Probotector 3 Contra 3. Hein. Le Contra 3, lui, il est sur Super Nintendo. Mais donc, peut-être, compte tenu de la qualité globale du titre, oui, l'ont Konami, ils ont dit, bon, allez, ouais, c'est un spin-off. Alors, j'ai retrouvé. Alors le Nintendo Power d'époque qui ont fait une petite présentation avec quasiment même le guide intégral du jeu. Alors on est en je sais plus là, septembre. Non, c'est août 92. Voilà, Call the Force. Hop, alors je vous fais défiler le texte hein, pour ceux qui voudraient lire. C'est pas un test à proprement parler parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de notes. Alors, deux joueurs peuvent jouer au jeu, a priori, hein, ce qui était le cas aussi dans Probotector 1 et 2. Mais alors là, la différence, c'est qu'on peut incarner. Quatre personnages, voilà, au choix, quatre personnages. Alors je précise que j'y ai jamais joué, hein, à Contra Force, je vais le découvrir dans cette vidéo. Alors c'est là que le guide commence. Donc premier niveau, le Warehouse, donc c'est l'entrepôt. Voilà, on fait défiler un petit peu. Warehouse Leader, donc ça nous montre le boss. Alors niveau 2, On the Water, donc c'est-à-dire dans l'eau. Alors est-ce que ça serait, a priori, oui, ça serait un niveau vu de haut. Voilà, ok, très bien. Bah, comme on pouvait en trouver dans Probotector 2. Alors stage 3, construction site, donc en gros, bah, chantier. Ok, très bien. Stage 4, le convoi d'avion, donc a priori vu de haut aussi. Donc ça reprendrait apparemment, ouais, bel et bien les phases vues de haut et bien de Probotector 2. Et bah, cinquième et dernier niveau, a priori, la base. Ennemi, eh bien c'est parti. On va se découvrir tout ça, toc, dans cette vidéo. Alors je sais pas, est-ce qu'on va le terminer ou pas. C'est un gameplay découverte. On va jouer et on va voir ce qui sort. Allez, on est parti. Contra Force, j'y joue avec ma petite manette 3-6, comme d'habitude. Alors, donc voilà, comme indiqué, hein, a priori, le choix des quatre personnages. Alors c'est un peu bizarre quand je fais gauche-droite, tu vois le. Le truc se dirige en diagonale, c'est un peu particulier. Alors, lui, il a un flingue, machin, Burns. Smith, ça a l'air d'être un gros bœuf. Allez, on va essayer Smith. Ok, donc le A, je saute. Le B, je tire. A priori, c'était indiqué que le jeu, il avait pas mal de ralentissement. Ah bah voilà, ok, bah oui. Oh putain. Oh là là, c'est poussif. Alors, on voit que c'est 92, hein, c'est. C'est pas non plus au début de la NES, hein. Bon, les musiques typiques Konami, on les reconnaît bien. Graphique, c'est pareil, mais c'est pas aussi polish, hein, comme on pourrait dire qu'un. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Putain, mais alors, le jeu, il a accéléré d'un seul coup là. Oh là là là. Ah bah ouais, bah oui, bah c'est bon. Je comprends tout de suite pourquoi on l'a pas eu. Pourquoi on l'a pas eu chez nous. Hey, c'est vraiment. Ah ça, oui, ça a été fait par l'équipe B, hein. Putain, alors attends, si j'appuie sur Select, non, ça fait rien. Start. Alors, un player, no use. Est-ce que, non, on peut pas changer de bonhomme, là? Non, a priori, non. Donc, lui, il a pas un tir qui traverse tout l'écran. Bon, a priori, on en a pas besoin non plus. Ok, un peu bizarre, là, c'est pareil, le scrolling avec le. Une espèce de chariot élévateur. Ouais, bah oui, hein, Probotector 1 et 2 qui étaient des jeux bien réalisés. Bah alors là, putain, ça manque carrément de polish. Oh putain.
Ouais, je pense qu'ils ont pas... Merde, Konami, ils ont pas jugé digne... Bah, le jeu digne hein, de sortir en merde. Bah là, j'ai profité de mes frames d'invulnérabilité. D'accord, game over, direct. Ok. Moi, j'aurais dû mettre un, parce que là, on est... Attends, ce qu'on va faire, on va faire un petit reset. On va essayer un autre bonhomme, tiens. Alors, attends, voilà, hop, ah, bah, ça commence bien. Ça commence bien. Bon, alors, apparemment, le système d'armement, parce qu'on a qu'une arme, alors je vais voir. À moins que c'est, ouais, comme Probotector, enfin, on trouve le S, le H, tout ça. Alors, on va essayer lui, là. Alors, bah, lui, c'est pareil. Ah, il a une cadence de tir un peu plus élevée, a priori. Bon, sinon, au niveau de la jouabilité pure, hein, voilà, on a... Bah, on peut tirer dans les 8 directions, donc ça, c'est cool. Comme les autres, hein. Mais ouais, il a pas le... Déjà, dès les premières secondes de jeu, bah tu... On note que le jeu n'a pas la finition des deux autres, hein, mais clairement. Hein. Ce qui est assez étonnant hein, de la part de Konami, parce que en général, Konami sur NES, ils soignaient leur production. Surtout, bon bah là, Contra, enfin Contra slash Probotector, c'est pas une licence inconnue, donc... Qui se plante sur un jeu un peu random, pourquoi pas. Mais là, ouais, qui, enfin, de prime abord, hein, qu'ils fassent un jeu moyen avec une grande distance à eux, c'est un... Ouais, du coup, là, ça y est, d'accord, là, j'ai les grenades. Bon, alors, le fameux passage, attends, je rappuie sur Select. Et il veut pas. Alors, attends, hein, je peux... Qu'est-ce que ce bordel? Je peux appeler à l'ordinateur? Attends. Assist cover, no use, back keep, front keep, CPU... Vas-y. Ah bah voilà, ok, voilà l'ordinateur. Oh, comment que ça rame. Oh. Comment que ça rame de ouf. Ah ouais, d'accord, on peut détruire les... Ah non, mais A2, et A2, c'est un joueur. Alors par contre, on note que bah il y a l'option de pouvoir jouer A2, donc ça... Ah, il a déjà disparu. Bah, limite, c'est mieux. Hein. Bon, alors par contre, je peux pas... Bah, je peux pas retrouver mon tir. J'appuie sur... Attends. Voilà, ok, on va... bah attends... CPU. Ah oui d'accord, il y a c'est chronométré en bas là. Ouais mais je pense que c'est limité le nombre. Bon alors par contre j'ai rien d'autre que les grenades maintenant. Parce qu'il veut, il veut plus changer d'arme. Voilà ça y est. Et si d'accord si je... Donc en fait il faut que je trouve une lettre. J'appuie sur Select changer d'arme et en fait je peux plus changer d'arme. C'est vraiment de la merde. Ok, bon bah là, parce qu'on constate que le personnage s'accroupit, hein, il s'allonge pas comme dans les autres. Donc là, pour esquiver les balles, bah oui, je me suis fait baiser, tu vois, ça marche pas. Ouais, bah je comprends pourquoi on l'a jamais eu, hein, donc... merde, et voilà, l'ennemi mal branlé, mal mis, putain, c'est pas possible. Ok, alors en plus, le jeu est sale. Ouais c'est bon j'ai réussi à l'avoir. Je me suis dit j'espère que mon tir aura une portée suffisante. Ouais putain eh ben ouais, parce que moi j'ai le réflexe voilà d'appuyer sur bas pour que le la balle me passe au dessus. Mais là ouais quand j'appuie sur Select ça marche pas. Ouais c'est vraiment étonnant hein, de la part de Konami. Voilà je vais crever. Oh putain même pas. Ouais le jeu est dégueulasse, il ralentit fin... Ouais j'ai du mal à comprendre là. Alors attends. Allez d'accord en fait. Ouais donc si je maintiens enfoncé. Ah y'a même un turbo. Regarde. Je maintiens enfoncé, ça il saute tout seul. Oh là là ça pue la merde avec ces ventilos là. Bah oui, oh c'est injouable. Bon bah y'a plus de vie. Allez, on va refaire un dernier essai avec un autre personnage. Vas-y, on va mettre continue. Peut-être qu'on a atteint le checkpoint. Ah, attends, pourquoi on est deux, là? Bon, alors, attends. C'est pareil, reset. Mais c'est vraiment de la merde. Hein. Putain. Alors, oui, hein, on m'avait dit. Hein, j'avais entendu dire qu'en effet, c'était pas ouf. Mais, ah, putain, c'est vraiment de la merde. Oh. Ah, je suis quand même étonné. Hein. Bon alors le typique ricain là avec le gros bazooka, la casquette à l'envers. America fuck yeah.
Ouais, bah ouais, bon, on y rejouera pas celui-là, ça c'est clair. C'est vrai, c'est dommage, hein. Putain, quel gâchis. Putain, puis alors c'est ralentissement, mais c'est juste pas possible. Ouais, j'ai pas d'autres armes là. C'est un truc de fou, hein. Putain, oh là là. C'est un truc de fou, hein. Bon, alors maintenant je sais que je peux détruire les espèces de presse là-bas. Ouais, bah ça donne pas envie de jouer, hein. Alors lui. Hop, voilà, ok, bien. Ah, il y avait peut-être le Konami Code, remarque, j'ai pas essayé. Pour avoir les 30 vies là. Je sais pas s'il marche. Alors FT, tiens, allez, on va essayer. Lance-flamme, ouais, FT, flamethrower. Oh là là, oh là là, mais c'est dégueulasse, attends. D'accord. Non, je sais pas, parce que là, on sait pas. Voilà, ok, apparemment, faut que je tire. Voilà, d'accord, ok, bon bah là, si on peut détruire les presses. Allez, on va essayer d'avancer prudemment. Mais alors là, le problème, c'est que... Alors que le lance-flamme, le tir, la portée soit limitée, y a pas de problème, mais alors... Notre flingue de base, ça du coup, c'est... Bah ça, c'est un problème. Alors attends, je vais attendre, voilà. Le piège à con. C'est pas possible. Mais c'est pas possible, mais c'est vraiment une merde. Mais c'est vraiment une merde ce jeu de merde là. Putain, mais c'est vraiment sale quoi. Tu butes le bloc, t'en as aussitôt un autre qui retombe sur la gueule. Ah non, franchement, je reconnais pas Konami là. Là, je suis étonné. Dans le mauvais sens du terme. Alors, on va reprendre le lance-flamme. Bah oui, Pierre, tu peux pas l'éviter. Tu peux pas l'éviter là, c'est. Mais c'est pas possible. Le jeu soit aussi mal calibré que ça, mais c'est pas possible. Mais il est où le savoir-faire de Konami là? Franchement, j'hallucine. Là, franchement, franchement, les mecs, j'ai vraiment du mal à croire ce que je suis en train de voir. C'est hallucinant. Oh la vache. J'avais lu que c'était de la merde. Non, je m'attendais pas. Oh, bah, là, on va recrever pareil, hein. Franchement, c'est l'alu. C'est l'alu total. Vas-y, attends, on va juste essayer le Konami Code. Apparemment, il marche pas. Bah oui, ça va trop vite. Ça va trop vite. Bon, alors attends, on va refaire un dernier reset. Voilà. Bon, bah les gars, hein, là, il n'y a pas de triche. Hein. Je vais laisser le gameplay tel qu'il est, sans cut. C'est vraiment de la merde. Hein. Putain! Ah, je m'attendais. Je m'attendais à un jeu moyen. Tu vois, voilà, tu vois. Je dis, ouais, c'était pas bon, tu vois, mais bon, je dis, ouais, au moins ça reste du Konami. Ça va être au moins un jeu moyen, j'espère. Mais non, c'est vraiment de la merde. Ah, là je suis bouche bée, là, je sais pas quoi dire. On va laisser l'intro voir, là. Graphiquement, on est en dessous, hein. On aura même pas eu le temps de voir les phases vues de haut. Bon bah voilà, hein. Alors je sais pas, bah exprime-toi en commentaire si je sais pas, tout hasard, tu l'as connu à l'époque en import, peut-être même que tu le possèdes, est-ce que tu l'as fini, Upsiland, si jamais tu passes par là, est-ce que tu y as joué, est-ce que tu l'as one-lifé, est-ce que tu l'as terminé, j'aimerais bien avoir ton avis sur la question, parce que là, franchement, là, je suis sur le cul, franchement, je suis sur le cul, voilà, parce qu'en général, bah les jeux Konami, Palcom, sur NES... C'est au moins des bons jeux. Mais alors là, putain, c'est vraiment de la merde. Puis alors, en plus, ça porte le nom de contrat. C'est quand même chaud, quoi. Bon, bah les gars, bah... Voilà, au pire, bah, testez-le sur Emule, hein, comme moi, là. Voilà, jugez par vous-même. Bon, après, j'ai joué comme une merde, mais bon, c'est vrai que ce genre de jeu, les découvertes, hein... En général, on le paye cher, hein. On le paye cher, on crève souvent pas mal, mais là, enfin, le coup du ventilo, c'est... Enfin, tu comprends pas, quoi, c'est... Voilà, bon les gars, allez, à vous de jouer en commentaire, exprimez-vous, et puis moi je vous retrouverai, bah, comme d'habitude, hein, prochainement sur la chaîne pour d'autres vidéos, et n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu.